Allez, anti-mouche versus. Allez, let's go! On est parti! Let's go, les amis! Si je perds celui-là, c'est tout perdu. Hein. Si je perds celui-là, tout est perdu. D'accord. Bon, on prend le classique. Un pic assez rapide côté Jojo, la carotte. Ok. Oh, et là, Antimouche qui prend Crow et Landy. Crow, je comprends, mais Landy, versus... alors que Carotte est sur le terrain déjà, un peu surpris. Jojo qui prend Blue Kissé de son côté afin que Antimouche ne puisse pas la prendre s'il la possède, bien entendu. La petite Estené qui vient du côté de Antimouche. Estené sans le skin. FTN. Oh, FTN. M'attends à voir à nouveau la même scène qu'au précédent match. Ah, ce serait beau, mais bon. J'ai envie de faire la triple Tenebria, ah, mais on va pas le faire. C'est ça. J'ai déjà préparé la musique. Voilà. Déjà vu. I've seen that clip before. Ok. Est-ce qu'on va l'entendre du coup sur le Discord? Je pense pas. Non, je pense pas. Non, c'est moi qui l'écoute juste dans mon coin. J'ai à peu près une idée. Yuffiné. Yuffiné. D'accord. Un chauffiné qui peut fonctionner contre faire éteindre avec le dodge maintenant qu'elle possède. Leave it to me. Toujours 30% de chance de se faire avoir. Ok, alors. On connaît violet. Et surine. Why don't you just surrender? Pour l'instant, ça annonce un peu un ban Crow ici. Hein. Là, je pense que ça part sur un ban Crow et potentiellement peut-être un ban Carotte du côté Antimouche. Peut-être un FTN bleu qui sait, d'accord. Mmh. On a peur de la Reduc CD. On verra. RK est dans une bonne position parce que Yuffiné va l'activer H24. Landy va mourir cependant. Landy va mourir déjà parce que là ça va être un tosh pour l'équipe. Avec un massacre sur Landy, ça va être clairement un massacre. Landy va avoir des grandes chances de mourir aussi. Hein. Ça dépend encore. Ah, il y a un burn disponible pour la carotte chez Jojo. Ah, dommage, Cyril ne joue pas avant. Il faut qu'elle réussisse à enlever le shield. Enfin, de tirer certains pouvoirs dispel. Ouais. Ça a touché. Le double burn. 4 burns sur Landy. Perfect, pas de 15%. Et là, ouf, bam. Ah, suffisant, mais la tissurie vient derrière pour aider cette carotte. Ça va, mon ER? Mon ER, allô. Pour cette Landy, le LRK qui est silence. Double silence sur les blonds. Double silence, les blonds ne peuvent plus parler, ils ne peuvent rien faire. Pas de bob défense, pas de trou de mage, rien du tout. Ça risque d'être assez rapide comme match du coup. Bah oui. Est-ce que non, elle n'est pas en late steal. Du coup là ça va partir sur... Il s'acharne sur... Oui, l'auto-attaque là, c'est mal ici maintenant. Peut-être que Tenny est morte. Encore un burn supplémentaire en plus. Oh là. Ce Greater. Le S3 du LRK. Malheureusement ne fait pas autant de mal que l'on voudrait. Après c'est le premier. Voilà, attaque GVG. Boum! Pas suffisant. Il avait le nouvel artefact GVG sur le finish, j'ai dit ok. Oh, la survie avec 318 PV. Oh, c'est la survivabilité de cette testée. Mais elle peut rien faire. Ah non, là. Elle peut rien faire du tout. Elle est pas en vol de vie. Elle pourra pas remonter. Là, le prochain AE, c'est terminé. On part chercher peut-être cette HMFI. La carotte. Non. Ça la prend. De manière, peu importe qui choisissait, peu importe ici, ça allait... il était dans le mal. Parce que Surin va être intuable ici.
Ah, c'est compliqué du côté de l'anti-mouche. Ça a été au final une très bonne compo de la part de Jojo ici. La draft était très très bien pensée. Peut-être le fait que je... Alors au final, la carotte est juste avant la tissue, je trouve ça pas mal, puisque du coup elle a enlevé le shield, elle a dispel l'immunité, et du coup la tissue n'a pu aller taper avec le espoir. C'était le meilleur speed order que Surin termine le round. Mon ER, il marchera jamais en fait. Non mais j'ai compris, hein, mon ER il sert à rien. Il va falloir aller les chercher. Mon ER. Ça gave du côté de Joe, ça burn et swap. Mon ER n'a pas proc. Approchez-vous les amis. C'est terminé, les doublons s'envolent. Mon ER. Gab S3 burn. C'est chiant. Nous avons perdu les blancs et c'est une victoire pour Jojo. Jojo s'impose. Du coup, bah, Jojo avait le first pick. Du coup, c'est Antimouche qui récupère tout à le fait. First pick. Hop. Je rappelle les bans. Straz à gauche. Maid à droite. GG à nos deux concurrents. Ils sont prêts. Deuxième round, c'est parti. Allez, on fait pas l'erreur de reban le même perso. C'est bon. Alors, est-ce que du coup, la question c'est est-ce que Jojo va pouvoir nous refaire la même chose? La FCC et le LRK sont ban. J'ai une idée, mais pour l'instant on va faire ça. Est-ce que Jojo prépare quelque chose ici? Je trouvais pas vraiment le LRK très chiant sur la LRK. Ok. Non, mais il aurait pu l'être parce que Yuffine l'active. Yuffine l'active très facilement. Du coup, Antimouche est parti tout de suite sur la carotte. Joe part sur un croc en réponse. Classique. Diviser le combo croc-carotte que tout le monde aime utiliser. Le qui c'est derrière. Il veut hard counter d'emblée. Hein. C'est non, ta carotte ne passera pas. Landy Purgis. Alors là, une cerise qui pop. Ça ferait très mal. On a toujours affaire à Ténébria qui peut faire son apparition. FTN, effectivement. Il y a Bazar qui pourrait venir. Le retour de Surin. Ah, la Surin a fait ses preuves. La Surin a été efficace avant. La Tissurine a fait ses preuves. Là, sincèrement, ça a bon pique. Ok. Ça a bon de côté de Joe. La FTN. On en parlait. La FTN qui arrive, les amis. La petite Dilibet, qui est un bon pic. Pour pouvoir clean, c'est tout. Ça peut être sympa. Et oh, on le voit rarement, hein. Je crois qu'on l'a pas trop vu. Hein. Le Cerato. Cerato qui peut solo tel fight. On va voir qu'est-ce que ça veut donner, honnêtement. Pas souvent vu. Il peut solo tel fight, mais Crow peut le shooter. Oui. Crow peut. Là, je suis obligé. Peut S3, Zarato et LQC maintenant. Donc, potentiellement, peut-être enlever le Cerato. Le Cerato, la LQC était très dangereuse, surtout avec la Dilibet. Qu'est-ce que ça veut donner, mais je suis pas confiant. Mais Dilibet sur le terrain, même versus Ferret et Noya, faut voir un peu comment ça se déroulait. Ça n'a pas d'ab. Un peu dommage. Mais est-ce que du il coup. Il va pouvoir shooter carotte. Est-ce que du coup la Kissé est respectée et qu'elle peut one-shot une carotte même sans le gab? La question c'est est-ce qu'il attaque carotte? Est-ce qu'il attaque Dilibet pour lui réduire les CD? Ouais, Dilibet. Et c'est Dilibet. Ça part sur Dilibet. Augmentation de 1 tour fois 2. Ouais, fois 2, oui. Don't you think? L'espoir va être déterminant. Est-ce qu'elle touche Landy? J'ai vu un raté. C'est la vie. Le break death. Boom. Sur tout le monde. La Dilibet se cleanse, mais elle est déjà un petit peu. Déjà très très bien entamée, hein, cette Dilibet. Ouais.
Ah bah là, Landé va se faire plaisir ici. Elle est pas, full stacké. Mais elle a un buff attaque, mais elle est pas full stacké. Du coup, il va chercher le top stack. Non, il a été pas full stacké. Let's go. Il va peut-être attendre le full stack. Non, j'ai pas envie de réveiller la Tetsurin en fait. Non, mais c'est juste ça, j'ai pas envie de réveiller la Tetsurin. Malgré tout, puisque le voilà, voilà, voilà pourquoi. Je comprends l'idée, parce que Surin est stunné. Je voulais la laisser comme ça. Mais ce qui veut dire que ça va être full. Ça veut dire que le S2 de Kizé va être full power parce qu'elle est toujours camouflée. Ouais. Kara, toi, t'as lancé son S3 avant? Non, elle a pas lancé son S3 avant. D'accord. Non, ça a sorti bien qui sait de son. Alors là, du coup, ça a burn S3. On va pouvoir tuer la suite. Je risque, hein. Surin meurt de burn ici. Surin meurt de burn, il vaut mieux aller chercher peut-être la bleue qui sait. Voilà. Allez, on revient là, on revient sur le terrain. On revient sur le terrain. Là du coup, bah, Joe est dans de beaux draps, parce que quoi qu'il fasse, yes, le coup se fera retirer du jeu. Antimouche gagne ce round, les amis. Et un partout. Un partout. BO3. Alors, je rappelle les bans FCC, merci, à gauche et LRK à droite. Bon courage. J'ai au moins mis un round. C'est tout ce que je voulais. On attend que Joe soit prêt, du coup. Même si je perds, c'est bon, je suis content. Pour moi, j'ai gagné. Dans mon cœur, j'ai gagné. C'est parti, les amis. Troisième round. Non. Alors. Là, au final, le pick d'Elibeth était solide parce que ça a forcé Joe non, mais non. De choisir. Qu'est-ce que je fais de reset avec Akissé. Voilà. S'il décidait de lancer son S3 sur comment ça s'appelle déjà? Carotte. Je pense qu'il aurait dû S3 au final sur Carotte. Parce que... elle n'avait pas assez de... Delibeth, quand il a eu son tour de jeu, n'avait pas assez d'énergie pour pouvoir se dispel. Et en fait, elle n'a jamais lancé son S3. Du coup, Joe joue un peu safe, donc Antimo, je ne veux pas de cette LQC. Et du coup, Joe joue voilà, un peu la sécurité en pré-bannissant cette Carotte, où il a dû faire un choix entre Carotte et Delibeth. Je pense qu'il n'avait pas forcément prévu le pic de Delibeth, Joe, au final. Mais non, mais ça... mais méchant. Méchant. Donc il vient chercher le Purgis dans ce mouche. Le box d'attaque a fait énormément d'effets avec Landé. Du coup, ça pique LRK et ça vient chercher Life Ténéon. Mais non, méchant. Méchant. Et le bazar. Pas bazar. Le bazar. Tout mais pas bazar. Méchant. Le bazar qui va être très efficace ici. Méchant. Bloquer LRK et Landé. Ça ne se fait pas. Pas de buff speed, pas d'immunité, rien du tout. Et sur quoi il enchaîne? Parce que ça manque un petit peu de vraies sources de dégâts pour Dojo. Oui, il va prendre un DPS. Il est un peu obligé de... Oh, il prend le Zerato de Antimouche, du coup, pour pouvoir un peu counter cet FTN. Ok. Arbi. J'aime bien l'idée, mais j'aurais préféré peut-être que Zerato soit un peu plus tard dans le pick and ban, car on ne sait pas véritablement à quoi ça... comment maintenant va terminer les picks de l'Antimouche. Après, je comprends, Joe, le fait qu'il pique Zerato là, c'est qu'il joue Bassard, sachant qu'il y a énormément de contrôle en face. S'il avait laissé le Zerato là, potentiellement Antimouche aurait pu le prendre pour counter complètement le Bassard. J'ai réfléchi, mais... ça l'aurait un peu mis mal. Là, le fait qu'il le pique maintenant... bah, Antimouche ne peut pas contrer son bassin entre guillemets, sauf s'il joue les 60. Ah, que Zerato dans les mains d'Antimouche aurait été très fatal à Jojo. Du coup, je comprends le pick de Zerato ici, à ce moment-là de la game, pour empêcher que Antimouche le pique dans ses deux derniers picks.
Et du coup, Nesténé. I'll accept your duel. Esténé, je. Ça me. SSB, je préfère. Voilà. Parce que là, en fait, là, je voyais la Esténé partir en fumée ET1, en fait. Avec ce qu'il y a. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Landy saute. Landy saute. Clairement, Landy, elle saute. Mais il y a Ferret et Libraire, donc c'est dangereux. Bah, il y a Cerato. Zerato, il est tout seul pour pouvoir se jouer. Ok. Il n'aidera pas le reste de l'équipe. Ok. Ça part sur. C'est LRK qui saute. LRK et CSB. On va voir. Est-ce que Bazar va être le plus rapide ou est-ce oui. Que Ferret et Libraire. Oui, largement. Il sera beaucoup plus rapide. Bazar, c'est que lui, il a juste besoin de speed pour être plus rapide. Ah, de si peu. Mais de combien? Et c'est Bazar qui gagne. Voilà. C'est le Bazar. Et c'est une victoire à 2%. Ça va pas toucher. Ça, c'est normal. Plage, ça m'a touché. Donc, les ouais. Autres ont été touchés. Le pushback n'a pas été suffisant. Parce qu'il y a le passif. T'as Choufini qui réduit de moitié le pushback. Là, ça va push. Ça va push. Ça va push. Oh. Les Zato, silence. Zarato qui s'est fait silence là-dessus. Oh, les deux attaques qui s'enchaînent. En plus, il y a un stun, ça a touché l'avantage élémentaire. Oh là 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 là. Alors. Ouais, bon, je peux pas faire le S3. Dommage. Dommage, honnêtement. Dommage. On est de bonne manière, on renvoie les sorts. Le silence aussi sur Bazar, mais qui renvoie. Oh là 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 là. Mais c'est un ping-pong. Un sacré ping-pong entre les malus, il se renvoie les malus. Et un buff attack, let's go. Do you know who I am? Du coup, le stun encore, le Bazar qui joue sous buff attack. Boum 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 boum. Qui touche en plus ma vie. Oh là 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 là. Le blind était important ici. Oui. Ah, ça touche. Décide de pas S3. Ça touche quand même. Décide de pas S3 parce qu'il a la commande aussi pour lui enlever les debuffs. Le S3 qui arrive. Il faut le crit. Bleu qui a pas encore son tour de jeu. Le S3 du Cerato qui n'avait pas encore lancé. Ça crit sur Landy. Et ça strip et break attack. Full break attack, ça c'était très important. Landy morte. Cro qui survit avec rien du tout, qui n'arrivera peut-être pas à jouer. Sauf si par contre, la Ravi, ça va être compliqué. Alors là, par contre, j'ai pas trop compris. Il enlève. Il a décidé de finir Landy, alors que là, il va peut-être perdre Cro sur ce S3. Ah non. Dommage. Il y a un break attack, voilà. Non, raté. Il perdra pas. Ça va. Raté. Dommage. Pas grand chose, là il peut se faire. Ah, il s'est fait stun. Non, même pas. C'est fini. C'est terminé. Ouais, c'est fini. Joki. Oh, survécu aux enfers. Oh là là, ce Cro, les amis, ce Cro. Il a survécu aux enfers. Mais ce Cro. I'll show you my power. Ouais, non, c'est lose. Counter de Zerato. Dommage. Mais c'est pas trop, trop grave. J'ai tout donné, hein. J'ai tout donné. Et là, c'est tranquillou pilou. Let's go. Il va chercher cette Yuffie. Anti-mouche qui avait un certain avantage. Mais le Cro était présent. Le Cro était présent. Ouais. Il était là. Voilà. C'est Cro. GG Anti-mouche, GG Joe. Du coup, c'est Cro avait bu la tasse. Et on aurait pu peut-être assister à un solo Ravi. Bon, certes, il y avait le break défense, mais. Dommage. À quelques RNG près, Anti-Mouche pouvait faire un solo Ravi ici. Au final, c'est Jojo qui a win. GG. GG. Du coup, je suis hors de la compétition. C'est du 2-1 quand même. Hein. C'était sérieux. Du 2-1, oui. En tout cas, GG à nos deux compétiteurs.